31 years. This is the first 31 years. She's walking. 31 years. Amen. Believing God for a baby. Two babies, not just one. That's what he was blind. You welcome to one that should have number. My time has come. Alléluia, Dieu vous bénisse. Bienvenue sur Merveille sans nombre. Mon heure a sonné. Mon heure a sonné. Notre heure a sonné. Dans le nom de Jésus, mon heure a sonné. Mon heure a sonné. Que quelqu'un dise, voici la saison que le Seigneur a faite. Une saison de joie et d'allégresse. Voici le moment que Jésus a fait. Un moment de joie et d'allégresse. Voici l'heure que Jésus a faite, une heure de joie et d'allégresse. Que quelqu'un dise, mon heure a sonné, mon heure a sonné, mon heure a sonné, mon heure a sonné. Merveille sans nombre est une plateforme et un hôtel de merveille où les gens sont activés à l'acte de la prière et deviennent passionnés de la parole de Dieu et deviennent addicts à la parole de Dieu car il y a la puissance dans la parole de Dieu. Hébreux 1, verset 3 dit, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Matthieu 24, 35, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Et quand Daniel, d'accord, en fait, est allé en prière pour combattre le prince de Perse qui avait retenu sa réponse, la Bible dit, dans Daniel 10, 12, sois sans crainte, Daniel, car dans le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant Dieu, ta prière a été entendue. Je suis venu vers toi en réponse à tes paroles. Alors, quand nous allons dans la présence de Dieu, il nous donne des avertissements et il nous donne des instructions. Il a dit dans Osée 14, 3, il a dit, approchez-vous avec des paroles et venez à l'Éternel. Donc, quand nous allons devant l'Éternel pour l'invoquer, nous utilisons, nous faisons nos requêtes de prière à travers la parole de Dieu, à travers les Écritures. Il a dit dans Jean 1, 4, eh bien, en cette vie, en elle se trouve la lumière des hommes. Dans la parole de Dieu se trouve la lumière de Dieu. Et donc, je déclare qu'aujourd'hui, quand nous allons invoquer l'Éternel avec ses paroles, il va nous exaucer grandement. Et donc, l'une des merveilles que cette plateforme produit dans la vie des gens, c'est que les gens deviennent de plus en plus amoureux, de plus en plus passionnés et addicts à la parole de Dieu. Et leur vie spirituelle se transforme de jour en jour. Et donc, je crois également qu'aujourd'hui, dès que vous connectez avec nous, eh bien, je crois que vous aussi, vous recevrez l'impact de cette grâce, de cette lumière pour que votre vie spirituelle devienne transformée. Amen. N'oubliez pas, on est toujours au mois de décembre et le thème, c'est « Afin que tu prospères ». Afin que tu prospères. Et donc, le plan de Dieu, c'est pour que vous prospériez. Comme il est dit dans 3 Jean 1, 2, « Je souhaite que tu prospères à tous égards ». De la même façon que ton âme prospère. Je prophétise, je déclare sur votre vie, la prospérité repose sur vous. La prospérité repose sur vos enfants, repose sur votre carrière, repose sur votre profession, sur votre ministère. Et je fais cette déclaration sur tout ce qui vous concerne. Recevez la prospérité divine dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, Dieu veut que vous prospériez et à tous égards. Alors, si vous nous suivez maintenant, invitez vos amis, informez-les que Merveille sans nombre a commencé avec l'apôtre Johnson Suleiman. Et tant qu'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. Tant qu'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. Tant qu'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. Tant qu'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. Donc il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer.
Et si vous nous suivez maintenant, n'oubliez surtout pas, l'autre action, c'est d'aimer maintenant. Aimer maintenant et partager le lien au maximum jusqu'à ce que vous soyez fatigué de partager. Et je sais que la parole de Dieu et la puissance de Dieu vous visitera. Partout où vous êtes maintenant, la main de Dieu vous touchera. Si vous êtes malade, si vous avez des enfants qui sont malades et qui sont souffrants, la puissance de Dieu vous touchera et vous serez délivré. Vous serez délivré. Vous serez délivré. Vous serez libéré. Vous serez délivré dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je commande que les chaînes soient brisées, que les jougs soient levés. Tout ce qui constitue montagne dans vos vies, je déclare que les montagnes, ô toi montagne, qui es-tu, toi grande montagne qui est devant moi, quel est ton nom? Je te commande maintenant, deviens une plaine, deviens une plaine, deviens une plaine, deviens une plaine, aplatis-toi, 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 dans le nom de Jésus-Christ, amen. La main de Dieu est puissante sur votre vie et vous touchera dans le nom de Jésus-Christ. Amen. N'oubliez surtout pas encore une fois, likez maintenant, aimez maintenant et partagez le lien au maximum sur toutes vos plateformes sociales, sur tous vos réseaux, vos groupes de chat, et etc. Si vous n'êtes pas encore abonné, alors abonnez-vous tout de suite et activez la cloche de notification. Likez, cliquez sur le pouce levé vers le haut pour nous montrer que vous aimez cette plateforme de prière et surtout, copiez le lien et partagez autant que vous pouvez et que Dieu vous bénisse. As of tune as I breathe, let my whole life be expressions of your grace. Alléluia, gloire à Jésus, nous adorons le Seigneur maintenant. Hallowed be your name, hallowed be your name, hallowed be your name. I cry, Abba Father, hallowed be your name, hallowed be your name, hallowed be your name. I cry, Abba Father, hallowed be your name, hallowed be your name. Hallowed be your name. I cry, Abba Father. Hallowed be your name. Hallowed be your name. Hallowed be your name. Hallowed be your name. I cry, Abba Father. I cry, Abba Father. Hallowed be. Hallowed be your name. Hallowed be your name. Hallowed be your name. Hallowed be your name. Cry, Abba Father. Hallowed be your name. Hallowed be your name. Hallowed be your name. I cry, Abba Father, hallowed be your name, hallowed be your name, hallowed be your name. Mashandalaba. Even in the grave, Jesus is Lord. Jesus is Lord. My soul will magnify the Lord, and my spirit praise his name. For death could not captive, even
in the grave. Jesus is Lord, even in the grave. Jesus, you are Lord. Jesus, you are Lord, even in the grave. Jesus, you are Lord. We worship you. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Someone has a child, and the child is deaf. Je vois quelqu'un qui a un enfant. The child cannot hear. I saw the angel et l'enfant ne peut pas entendre. L'enfant est sourd, mais je vois que l'ange de Dieu retire quelque chose de ses oreilles maintenant et ses oreilles s'ouvrent. Dans le nom de Jésus-Christ, amen. Je sens la puissance de guérison maintenant. Je vois une jeune fille, vous avez une jeune fille de 19 ans maintenant, mais elle n'écoute pas, elle n'entend pas. Mais Dieu vient d'ouvrir ses oreilles maintenant. Touchez-la et parlez-lui. Maintenant, je déclare tout enfant autiste, Dieu les guérit, Dieu les guérit. Dieu guérit tous les enfants autistes maintenant par la puissance de Dieu. Je vois quelqu'un qui est programmé pour être opéré du cœur. Mais Dieu dit que vous n'avez pas besoin de cela. Parce que ce qui devait être réparé, priez seulement avec nous ce matin. Vous allez voir, Dieu va travailler sur vous et votre cœur sera guéri entièrement dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vois quelqu'un, vous êtes dans un pays étranger au vôtre, et vous êtes allé là-bas en fait pour vous faire soigner. Mais vous nous suivez maintenant. Même là où vous êtes maintenant dans ce pays, on n'arrive pas à vous traiter parce que c'est comme si votre cas les dépasse. Maintenant, je déclare que là où vous êtes maintenant, la puissance de Dieu repose sur vous. Et tout ce que notre Père dans le ciel n'a pas planté en vous, que cela soit maintenant sorti de vous, que cela sorte de vous. Dans le nom de Jésus-Christ, Dieu vous a guéri. Isaïe chapitre 3, verset 10, proclamez donc juste qu'il aura du bonheur. Nous allons faire déclaration ce matin. Ma famille, tu auras du bonheur. Ma famille, tu auras du bonheur. Ma maison, tu auras du bonheur. Dieu voudra que nous prions ce matin pour notre famille, votre mari, votre femme, vos enfants. Ma maison, tu auras du bonheur. Nous allons faire cette déclaration. Donc, écrivez la déclaration maintenant prophétiquement dans la section de commentaires et sur toutes vos plateformes, vos statuts, vos pages d'accueil. Et vous allez faire cette prière maintenant pour les membres de votre famille et faites attention, d'accord, d'invoquer leur nom. Alors, les paroles que vous dites aujourd'hui, d'accord, détermineront la grandeur de votre avenir. Parce que la grandeur de votre avenir, en fait, dépend des paroles que vous déclarez aujourd'hui. Alors, ce que vous devenez dans la vie, d'accord, c'est fonction de ce que, de la prière que vous faites aujourd'hui ou de la prière que vous avez refusé de faire aujourd'hui. Parce que toute personne qui refuse de prier, alors, a indirectement, d'accord, échoué. Mais toute personne qui bâtit un hôtel de prière devant Dieu, eh bien, prépare son avenir proprement. Et donc, beaucoup de personnes pensent que c'est quand vous êtes dans les besoins que vous priez, mais non. Vous devez prier chaque jour et quotidiennement parce que la prière est comme un investissement. Et quand vous priez aujourd'hui, en fait, toutes les prières que vous faites sont enregistrées, d'accord, dans une banque. Parce qu'il arrivera un moment dans la vie où vous aurez besoin de ces prières-là pour qu'elles travaillent pour vous. Alors, je recommande, d'accord, que vous écriviez cette phrase maintenant sur toutes vos plateformes, vos pages d'accueil, vos statuts, etc.
etc. Ma maison, ma famille, mon foyer, tu auras du bonheur. Ma maison, tu auras du bonheur. Ma famille, tu auras du bonheur. Mon foyer, tu auras du bonheur. Écrivez cette phrase maintenant prophétiquement. Et n'oubliez pas hashtaguer Merveille sans nombre. Écrivez cela maintenant dans la section de commentaires. Écrivez cela sur vos statuts WhatsApp, vos différents statuts Facebook, etc. Écrivez cela maintenant et affichez-le partout. Alors répétez après moi. Ma maison, tu auras du bonheur. Mon foyer, tu auras du bonheur. Ma maison, tu auras du bonheur. Mon foyer, tu auras du bonheur. Ma famille, tu auras du bonheur. Ma maison, tu auras du bonheur. Mon foyer, tu auras du bonheur. Ma famille, tu auras du bonheur. Ma maison, tu auras du bonheur. Mon foyer, tu auras du bonheur. Ma famille, tu auras du bonheur. Ma maison, tu auras du bonheur. Mon foyer, tu auras du bonheur. Ma famille, tu auras du bonheur. Ma maison, tu auras du bonheur. Mon foyer, tu auras du bonheur. Ma famille, tu auras du bonheur. Ma maison, tu auras du bonheur. Mon foyer, tu auras du bonheur. Ma famille, tu auras du bonheur. Ma maison, tu auras du bonheur. Mon foyer, tu auras du bonheur. Ma famille, tu auras du bonheur. Ma maison, tu auras du bonheur. Mon foyer, tu auras du bonheur. Ma maison, tu auras du bonheur. Ma famille, tu auras du bonheur. Mon foyer, tu auras du bonheur. Ma maison, tu auras du bonheur. Ma famille, tu auras du bonheur. Mon foyer, tu auras du bonheur. Ma maison, tu auras du bonheur. Ma maison, tu auras du bonheur. Mon foyer, tu auras du bonheur. Ouvrez votre bouche maintenant et priez. C'est une déclaration prophétique. Déclarez-la maintenant et citez les noms de vos enfants, le nom de votre mari, de votre femme, le nom de votre société ou votre business ou votre ministère, les noms de vos bien-aimés qui méritent cette grâce. Priez maintenant et citez leur nom. Citez leur nom et faites cette déclaration sur eux maintenant. Priez, priez dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Je déclare sur ma famille, sur ma maison, sur mon ministère, sur mon travail, sur ma profession, sur mes bienfaiteurs de destin, qui qu'ils soient et où qu'ils se trouvent. Je déclare sur mon fils, tu auras que du bonheur. Tu auras que du bonheur. Tu auras que du bonheur. Vous aurez que du bonheur. Sur ma mère, je déclare, tu auras que du bonheur. Sur mes frères, je déclare, vous aurez que du bonheur. Sur mon mari, je déclare, tu auras que du bonheur. Sur ma femme, je déclare, tu auras que du bonheur. Sur mes enfants, je déclare, tu auras que du bonheur. Citez leur nom, appelez-les par leur nom et faites cette déclaration sur leur vie maintenant. Saint-Esprit de Dieu. Ia da 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 da
Shut the letter, it can't suffer.
Dans le nom de Jésus-Christ, amen. Je déclare sur votre vie, je déclare sur votre famille, je déclare sur vos bien-aimés, partout où ils sont dans le monde entier. Je déclare sur la vie de vos enfants, dans le nom de Jésus-Christ, ils n'auront que du bonheur. Ils n'auront que du bonheur. Tout va bien avec vos enfants, tout va bien pour vos bien-aimés. Dans le nom de Jésus-Christ, amen. Tout va bien pour eux. Tout va bien pour eux. Tout va bien pour eux. Je déclare que tout va bien pour vos enfants. Votre enfant qui vous inquiète, tout va bien avec lui. Votre fille qui vous inquiète, tout va bien avec elle. Votre mari qui s'est détourné de vous, tout va bien avec lui. Tout va bien avec votre foyer dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Les plans de Dieu dans votre famille s'accompliront. Ce que Dieu a dit concernant votre famille se prospérera. Ésaïe 54, verset 15. Si l'on s'attroupe contre toi, je n'y serai pour rien. Ceux qui t'attaqueront, eux tous s'attrouperont contre toi, mais devant toi ils tomberont. J'ai créé le forgeron qui attise les braises et en retire une flamme, une arme forgée pour l'usage auquel il a destiné. Alors toute arme fabriquée pour te faire du mal n'atteindra pas son but et tu pourras confondre tous tes accusateurs en jugement, et toute langue qui se lèvera contre toi sera condamnée pour te faire justice. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que vos enfants deviennent source de bénédiction. Votre mari devienne bénédiction. Votre femme devienne bénédiction. Votre famille sera source de bénédiction. Dans le nom de Jésus-Christ, amen. Alors il dit encore, proclamez donc juste qu'il aura du bonheur, car il profitera du fruit de ses actions. On va dire, au nom de Jésus-Christ, je mangerai, je profiterai du fruit de mes labeurs. Nous allons faire cette prière à haute voix. Au nom de Jésus, je profiterai du fruit de mes labeurs. Au nom de Jésus, je profiterai du fruit de mes labeurs. Au nom de Jésus, je profiterai du fruit de mes labeurs. Au nom de Jésus, je profiterai du fruit de mes labeurs. Au nom de Jésus, je mangerai du fruit de mes labeurs. Au nom de Jésus, je mangerai du fruit de mes labeurs. I shall eat the fruit of my labor. In the name of Jesus, I shall eat the fruit of my labor. Say, my father. Répétez, mon père. Mon père, mon père. Mon père, mon père. Dans le nom de Jésus. Pendant que je prie, je mangerai les fruits de mes labeurs. Au nom de Jésus. Pendant que je prie, je mangerai le fruit de mes labeurs. Je mangerai le fruit de mes labeurs. Je mangerai le fruit de mes labeurs. Ouvrez votre bouche maintenant et faites cette déclaration. Dans le nom de Jésus-Christ, je profiterai du fruit de mes labeurs. Je jouirai du fruit de mes labeurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, je jouirai du fruit de mes labeurs. Je jouirai du fruit de mes labeurs. Je jouirai du fruit de mes sacrifices. Je jouirai du fruit de mes services. Je jouirai du fruit de mon adoration. Je jouirai du fruit de mes labeurs. Dans le nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, Jesus,
Je jouirai du fruit de mes labeurs.
Je jouirai du fruit de mes labeurs dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, connectez votre foi à la mienne. Je vois une énorme récolte venir à votre famille. Je vois des familles qui avaient été méprisées et qui soudainement sont élevées, qui deviennent soudainement le centre d'attraction. Je vois votre famille célébrer. Je vois une grande célébration qui se manifeste dans votre famille. Je vois une maison numéro 14. Dieu me dit que cette maison, il y aura la célébration. La main de Dieu repose sur toute personne qui écoute le son de ma voix maintenant. Tout va bien avec votre famille. Tout va bien pour vos enfants. Tout va bien pour vos frères et sœurs. Tout va bien pour votre mari et votre femme. Et je déclare, ils jouiront du fruit de leur labeur. Commencez à jouir du fruit de vos labeurs sur vos enfants et sur vos affaires. Je déclare que vous ne travaillerez pas afin que d'autres récoltent. Vous n'allez pas semer pour que d'autres récoltent. Vous jouirez du fruit de vos labeurs dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu me dit de vous dire concernant vos enfants, vous jouirez du fruit de vos labeurs. À vous, Père, vous jouirez du fruit de vos labeurs. De vos labeurs. Vous qui avez été à l'école et vous n'avez pas d'emploi, vous jouirez du fruit de vos labeurs. Dans le nom de Jésus-Christ, amen. Je vois quelqu'un, vous êtes dans votre église, vous êtes dans le département du média. Et Dieu me dit qu'il y a beaucoup de problèmes dans votre vie. Mais Dieu me dit de vous dire, dans les 72 heures à venir, une transformation arrive. Je vois quelqu'un, un serpent a été programmé dans votre maison pour vous attaquer. Mais à votre réveil, je déclare que dans les 72 heures à venir, que le serpent meurt dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu me dit de prier pour Jude. Jude, Dieu me dit de vous dire, il essuie vos larmes maintenant. Dieu efface vos larmes. Dieu efface vos larmes, Jude. Dans le nom de Jésus-Christ, amen. Je vois quelqu'un qui porte une chemise dont le col est noir et la chemise est de couleur rose. Dieu me montre quelque chose qui se produit dans la vie de votre femme. Mais Dieu dit que l'attaque de l'ennemi sur votre femme prend fin aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vois une femme en Amérique du Sud. Vous avez un enfant qui a été programmé pour être opéré, mais je déclare que Dieu les guérisse maintenant et que sa main puissante repose sur eux dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Amen. Si vous êtes malade, posez votre main gauche là où vous avez mal et tendez la main droite. Je commande toi, diable de maladie, toute infirmité, esprit d'attaque, sortez au nom de Jésus-Christ. Je déclare, soyez guéris du crâne de votre tête jusqu'à la plante de vos pieds. Jésus vous guérit. Jésus vous guérit complètement. Jésus vous touche. Jésus vous délivre.
Dans le nom de Jésus-Christ, amen. Tout va bien avec vous. Au nom de Jésus, amen. The Lord bless you and the Lord grant your desires. Alléluia. In Jesus. Let's take our offering que Dieu vous bénisse et vous accorde les désirs de votre cœur. Au nom de Jésus. Amen. Alors c'est le moment des offrandes, chers téléspectateurs. Vous voyez les différents canaux par lesquels vous pouvez envoyer vos offres. Vos offrandes, que vous soyez en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Sud, en Afrique de l'Est, en Afrique centrale ou hors de l'Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, etc. Vous pouvez d'accord utiliser les différents moyens de transfert pour envoyer vos offrandes. The orange account you can give to that particular number. If you live in Sierra Leone, we have different platforms, and as you give, the Lord is going to bless you. Father, I speak. You alors quand vous allez faire vos offrandes, le Seigneur vous bénira. Père, tu as dit dans ta parole qu'on ne devrait pas apparaître devant toi les mains vides. Alors que ton peuple donne maintenant, je déclare que leur ciel s'ouvre perpétuellement, que ta face brille sur eux et donne-leur une transformation extraordinaire et que ton nom soit glorifié dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vos offrandes sont bénies. Vos offrandes sont puissamment bénies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. And other accounts information, bring up other ones. Yes. You have other accounts, you can do that. And the Lord will bless you and grant your desires in Jesus' mighty name. Amen. All right, let's Dieu vous bénisse et vous accorde les désirs de vos cœurs. Amen. Alors, c'est les témoignages maintenant. Bonjour, Papa. J'ai envoyé une demande de prière sur cette plateforme et j'ai également appelé le centre d'appel pour que Dieu accorde à mon jeune frère un emploi au Canada. Gloire à Dieu, mon frère a maintenant deux emplois. Merci, Jésus. Chong du Cameroun. Félicitations, ton heure a sonné. Bonjour papa, ma voiture est tombée en panne à cause d'un problème électrique. J'ai décidé d'oindre l'alternateur avec l'huile bénie par papa. Après avoir appliqué l'huile, immédiatement ma voiture a commencé à fonctionner. Merci Jésus. Guirma de Californie, États-Unis. Bonjour papa, j'ai envoyé une demande de prière à cette plateforme pour que Dieu m'accorde mon permis de séjour turc. Gloire à Dieu, j'ai reçu mon permis de séjour turc. Merci Jésus. Osaro de Turquie. Bonjour papa, je me suis réveillée le 28 novembre 2023 pour découvrir que mon téléphone ne fonctionnait plus. J'ai oint le téléphone avec l'huile bénie par papa et je l'ai laissé. Quelques heures plus tard, je suis revenue voir que mon téléphone avait été restauré. Je l'ai même utilisé pour me connecter à la prière matinale. Merci Jésus. Clinton Chidiébéré de Port-à-Court. Bonjour papa, je m'appelle Isaac. Je veux remercier Dieu de m'avoir délivré. J'étais sadique et très ennuyeux. Mais après ma rencontre avec cette plateforme, ma vie a changé. J'aime maintenant prier et lire ma Bible. Deuxièmement, j'ai reçu la guérison de mes yeux lorsque j'ai appliqué systématiquement l'huile d'onction que papa a bénie. Merci Jésus. Bonjour papa, nous avions prié pour que Dieu intervienne dans le travail de mon mari. Nous nous sommes connectés à cette plateforme. Le Dieu de merveille sans nombre nous a exaucés. Mon mari a reçu une lettre de transfert d'une ville éloignée vers la capitale et a également été promu. Merci Jésus. Madame Chisompe de Lusaka en Zambie. Bonjour papa, depuis que j'ai rejoint cette plateforme, ma vie a transformé, totalement changé pour de bon. Tant de choses merveilleuses me sont arrivées. Gloire à Dieu, j'ai obtenu mon permis de séjour en Allemagne et un nouvel emploi. Merci Jésus. Michael Ennesombe de l'Allemagne. Bonjour papa, chaque fois que papa prie pour une augmentation de salaire là où nous travaillons, je m'y connecte. Gloire à Dieu, j'ai reçu une augmentation de salaire sur mon lieu de travail. Merci Jésus, précieux de Lagos. Bonjour papa, j'ai envoyé une demande de prière à cette plateforme concernant mes examens de licence médicale. Que Dieu m'accorde le succès. Gloire à Dieu, j'ai reçu mon examen et j'ai été autorisé à pratiquer la médecine. Merci Jésus. Annie Kande de Port-à-Court. Bonjour papa, je m'appelle Gift Iketchukwu de Enugu. Nous avons eu des problèmes avec notre électricité. Seule notre maison n'avait pas de lumière pendant des jours, mais notre quartier avait de la lumière. J'ai décidé d'éteindre le fusible avec l'huile bénie par papa. Et gloire à Dieu, la lumière est revenue. Merci Jésus. Nous retenons toute la gloire à l'Éternel pour ces témoignages.
Ce sont là les actes de Dieu. Reçois toute la gloire, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Recevez l'argent miracle. Recevez une augmentation de salaire. Recevez des alertes financières. Recevez la provision surnaturelle. Ceux qui vous ont promis qu'ils honorent les promesses, recevez maintenant votre carte verte, votre citoyenneté permanente, vos permis de séjour, permis de travail, permis de résidence. Recevez vos visas. Recevez vos lettres de promotion. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Père, je te remercie pour toutes ces requêtes qui sont venues de partout dans le monde. Exauce par le feu. Exauce ces requêtes par le feu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, mesdames et messieurs, appelez l'un des numéros affichés à l'écran, contactez le centre d'appel, une équipe s'occupera de vous et priera avec vous au besoin. N'oubliez pas, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, et que quelqu'un dise « mon heure a sonné ». N'oubliez pas, quand il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer, que Dieu vous bénisse.